immédiatement, dès qu'il est question de phénomènes de violence, et parlons même pas des questions de violence sexuelle et encore moins de violence sexuelle sur les enfants, enfin, ça suscite immédiatement tellement de choses qu'on a toutes les peines du monde à simplement pouvoir essayer de dialoguer sur ces questions, sur ces questions-là dans les faits. Et c'est un problème qui est absolument majeur et auquel il va falloir très vraisemblablement continuer de s'affronter en permanence. Et je pense que c'est aussi précisément le rôle des professionnels que de faire ça. Enfin, on parlait hier de façon presque amusée de savoir si on n'est pas un peu des thérapeutes de la justice au travers de nos expertises. Et je disais que non, certainement pas. Par contre, je pense que le fait effectivement de pouvoir, en tant que spécialiste de ces questions-là, trouver les mots pour parler des choses, c'est-à-dire d'une façon suffisamment apaisée, ce qui ne veut pas dire qu'on cautionne, ce qui ne veut pas dire qu'on tolère, mais simplement permettre de penser les choses, les mettre en mots, les mettre en pensée, pouvoir indiquer ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, faire tout ce travail-là, c'est certainement quelque chose qui peut être aidant. Ces évaluations reposent essentiellement sur des dimensions que les criminologues ont pu développer. Je ne sais pas si tu as parlé de ces 8 grands domaines criminogènes qui sont les 8 domaines classiques, les 8 grands domaines criminogènes, les antécédents criminels. Je vous laisse les lire, puis vous me dites s'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe par rapport à ces 8 grands domaines considérés comme les champs qui sont, donc, au fond, susceptibles de générer de générer de la criminalité. Vous savez pourquoi il n'y a pas la maladie mentale? Parce que la maladie mentale n'est pas statistiquement un facteur de risque majeur pour la criminalité. Statistiquement, ce qui est vrai, statistiquement, enfin, toutes les études qui ont été faites dans les pays occidentaux le montrent. Au fond, les homicides en lien avec la pathologie mentale, si on met de côté les aspects troubles de personnalité, les aspects consommation de substances, etc., mais si on parle vraiment des troubles mentaux, les psychoses, les graves troubles de l'humeur, enfin, ces gens qui seraient susceptibles d'être vraiment hospitalisés pour être soignés, la part de crimes graves en lien avec les troubles mentaux, elle est quelque part entre 3 et 5%. Ça veut donc dire que si on mettait dans des hôpitaux psychiatriques, si on enfermait à l'asile tous les malades mentaux, on a encore entre 93 et 95% de problèmes de violence dans nos cités. Et on continue de demander aux psychiatres d'être spécialistes de l'évaluation de ces choses. Je vous laisse apprécier la chose à sa juste saveur. Donc au fond, c'est sur la base de ces dimensions criminologiques que les outils qu'on utilise désormais pour évaluer les facteurs de risque, que ces outils ont été développés. Et on peut considérer qu'on a eu au fond 4 générations de manières de penser l'évaluation du risque. Je vais vraiment passer rapidement. La première génération, c'était le jugement clinique non structuré. C'est ce qu'ont fait les psychiatres pendant des dizaines d'années. Ça consiste en gros, sentir par où passe le vent et dire « Ouh là là, celui-là, c'est sûr qu'il va recommencer ». On s'est rendu compte dans les faits que la méthode clinique non structurée qui a été utilisée pendant longtemps pose d'énormes problèmes. C'est qu'on a une validité prédictive qui est à peine plus élevée que si on lance les dés. Dans certaines études, on voyait même qu'elle était un peu plus mauvaise parce qu'il y a un biais de sélection qui fait qu'on a plutôt tendance à surévaluer le risque simplement parce qu'on est dans un contexte où il faut essayer de ne pas prendre trop de risques. Enfin, la deuxième génération, ça a été le développement des outils actuariels basés sur des facteurs statiques. Et là, ce sont des instruments qui ont permis de calculer la probabilité statistique de récidive en fonction d'un certain nombre de caractéristiques que la personne présente supplémentaires. Donc on a réussi progressivement à identifier quels sont ces facteurs et on peut, en fonction du listing de ces facteurs qu'on va pouvoir retrouver chez la personne, calculer des probabilités de récidive. Ces facteurs statiques, ils sont assez forts et encore une fois, les prédicteurs les plus importants sont les actes commis antérieurement.
Ces instruments basés sur des facteurs statiques ont nettement amélioré le pronostic de récidive, mais ils se heurtent au fait que comme il s'agit de facteurs statiques, donc au fond biographiques, liés aux caractéristiques antérieures de la personne, ces facteurs ne peuvent absolument pas changer. Donc une fois que vous avez déterminé un certain risque de récidive, ça ne sert à rien de vouloir faire quoi que ce soit comme thérapie avec quelqu'un, parce que vous n'allez pas pouvoir changer ça. Et donc on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose là-dedans, c'est pourquoi on a intégré, c'est la troisième génération, des facteurs dynamiques, des facteurs qui tiennent compte notamment précisément de la capacité de la personne éventuellement à entrer en soin, la capacité à se positionner par rapport au crime, etc. Mais au fond, toutes sortes de facteurs qu'on a pu standardiser progressivement et définir de manière de plus en plus précise et qui permet de prendre en compte justement une évaluation qui ne serait pas qu'une évaluation vers un risque toujours plus élevé. Actuellement, on peut discuter si on est toujours dans la troisième génération ou si on est dans une quatrième génération. Certains disent qu'on est plutôt dans une quatrième génération où l'idée, c'est d'intégrer non seulement les facteurs de risque, mais également les facteurs protecteurs et les besoins. C'est aussi d'intégrer la dimension de ce qu'on appelle la réceptivité. C'est là où on rejoint ce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur la question de quoi proposer à qui, c'est-à-dire essayer de déterminer est-ce que telle personne, cette personne-ci, ça a du sens de vouloir lui proposer un soin, une thérapie, est-ce qu'elle va pouvoir être réceptive à ce soin, à cette thérapie, ou est-ce qu'elle ne le sera pas. Ces instruments se sont développés aussi en lien avec tout un courant au fond criminologique qui est important, qui tente de se développer autour de la notion du concept de désistance. Parce qu'au fond, jusque-là, on ne s'est intéressé que à ce qui fonde le crime. Et évidemment que ces éléments-là sont des éléments qui font l'objet à l'heure actuelle de beaucoup de recherches et qui permettent justement de développer des instruments qui vont davantage dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement, au centre d'expertise par rapport à tout ça? On va intégrer ces instruments d'évaluation dans notre réflexion clinique. Jusqu'à maintenant, on a décidé que dans nos rapports d'expertise, on ne donne pas de compte-rendu chiffré en termes de probabilité de risque à tant d'années, etc. C'est un vrai débat, hein. On a eu encore ce débat avec les collègues alémaniques qui, eux, disent qu'il faut le faire et tout ça. La difficulté, si vous voulez, et je ne sais pas comment on va la résoudre, il va falloir qu'on la résolve et même relativement rapidement, c'est que quand vous utilisez des chiffres, ça écrase absolument toute argumentation. Si en plus, c'est le psychiatre qui vient avec des chiffres, alors là, c'est formidable. Plutôt que son blabla habituel, enfin, on a des données du risque. Et puis, ces chiffres, c'est quoi? C'est une probabilité de risque de récidive pendant une certaine durée. Donc, il faut se rendre compte que ça veut dire, par exemple, telle jeune femme a été violée. On a son agresseur et on dit qu'il y a une probabilité de risque de récidive à 3 ans, de 50%. Un risque sur deux qu'il récidive dans les 3 ans. Vous imaginez, au tribunal, avec un truc comme ça, tout le monde dit, mais évident que ce type, il ne va pas sortir, on ne peut pas prendre le risque, un risque sur deux qu'il recommence. Okay. Même situation, mais la conclusion de l'évaluation, c'est qu'il présente un risque de récidive de 20%. Et quand même, 4 chances sur 5 qui ne recommencent pas, non, dans les 3 ans. On prend le risque, on ne prend pas le risque. Évidemment que les proches de la victime elle-même vont tous dire, mais quand même, il y a une chance sur 5 pour qu'il recommence, c'est absolument intolérable, non? Mettons que le risque de récidive, on arrive à la conclusion qu'il est de 5% pour les 3 ans à venir. Ben, le raisonnement sera exactement le même. Parce que dès qu'on commence à calculer les choses en termes de risque de récidive, Le seul chiffre acceptable, c'est zéro. Donc on a un énorme problème avec ça, qui est de comment on fait pour vivre avec un risque qu'on ose calculer et dont on ose transmettre le chiffre, précisément. On n'a pas encore trouvé la réponse à cette question à Lausanne. J'espère qu'on y parviendra ces prochaines années.
Ça, c'est les outils qu'on utilise. On utilise les instruments, les JPS, les jugements professionnels structurés. Ce sont ces instruments, comme ça, on pourrait dire, de troisième génération. On utilise aussi les instruments actuariels comme l'échelle de Hare, la PCL de Hare, c'est l'échelle de psychopathie, de même que la Statique 99 révisée, qui est une échelle actuarielle d'évaluation du risque de récidive pour les délinquants sexuels. Et puis des instruments comme la HCR20, la SAPROF. Pour moi, est absolument essentiel et sur laquelle je suis assez intransigeant, c'est que ces instruments ne doivent être utilisés que si on a réellement suivi une formation spécifique pour Et une ça. supervision. Ça paraît une évidence, il n'en reste pas moins qu'énormément de gens commencent à utiliser ces instruments sans avoir suivi la formation spécifique. Il y a des formateurs agréés pour ça. Après, il y a des formations de formateurs également. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est qu'on a progressivement développer le fait d'avoir des formateurs qui sont agréés pour faire la formation, c'est ça qui est indispensable, pour pouvoir être vraiment extrêmement au clair sur comment on peut utiliser ces instruments, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas leur faire dire, qu'est-ce que ces instruments permettent d'apporter, et surtout quelles sont leurs limites. Et tout ça, encore une fois, dans l'idée d'une aide à la structuration du raisonnement et au fond à permettre de rendre compte de cette méthodologie de travail. Et du coup, une restitution du risque récidif qu'on va faire, nous, de manière plutôt qualitative en termes de pistes d'intervention potentielles, plutôt que véritablement quantitative pour les raisons que je vous ai indiquées. Le but de ces instruments, c'est évidemment de limiter les faux positifs. L'objectif de ces instruments, c'est de pouvoir cibler de la manière la plus précise possible les personnes qui représentent vraiment un risque par rapport aux autres. Le seul problème, c'est que le risque, c'est qu'il se passe exactement le contraire, parce que même si on utilise des chiffres qui tendent à montrer que justement on arrive à bien cibler cette population, l'effet, notamment sur les magistrats, est l'inverse. Et le risque, c'est qu'on arrive effectivement à plutôt alimenter la politique sécuritaire, alors même qu'on essaierait de pouvoir la réduire. Ça pose aussi la question délicate, et ça, on a commencé d'empoigner le problème chez nous, la formation des magistrats, des avocats, des procureurs, des juges. Et de plus en plus, on intervient dans les formations pré-graduées, dans les formations continues pour les magistrats. Je pense qu'il y a là vraiment quelque chose qui est très important. Je pense que les avocats peuvent jouer un rôle absolument déterminant là-dedans, en étant plus pointu et en allant challenger les gens par rapport à ça. Je suis effaré de voir le faible niveau des avocats chez nous, malheureusement, que je trouve parfois vraiment pas assez regardant. Enfin, non, mais moi, j'aime ça quand un avocat vient et puis il me dit, mais quand même, vous le sortez d'où, votre truc? Enfin, alors, je pense que c'est un des moyens, effectivement, d'y parvenir. Moi, je ne sais pas si les lois résolvent ces questions-là. Je pense que c'est vraiment aux professionnels de terrain. Je pense que c'est vraiment aux professionnels de terrain que de s'emparer véritablement des choses dont ils ont besoin. En même temps, enfin, c'est toute l'ambiguïté du rôle de l'expertise, puisque précisément l'expertise sert à renseigner le juge dans des domaines où il n'a pas les compétences. Donc là, on lui dit, mais ayez les compétences. Alors après, peut-être qu'il faudrait surtout développer les compétences des magistrats pour pouvoir lire ou comprendre les expertises critiquer. Et ce qui est critiqué, enfin, ce qui est évidemment difficile, parce que s'il est capable de le faire, ça sous-entend qu'il a les compétences qu'avait l'expert, puis du coup, il aurait pu se passer de l'expert en même temps, non? Donc on est de toute façon dans cette espèce de dialectique, parce qu'au fond, ces instruments, ils sont de loin pas inintéressants, mais ils sont très limités dans ce qu'ils permettent de dire, mais ce très limité, c'est mieux que rien. Il est faux de dire qu'on ne peut faire aucune prédiction sur les comportements humains, pour autant qu'il s'agisse de temps relativement court. On peut dire un certain nombre de choses. Il y a peu de choses qu'on peut dire, mais ce peu-là peut faire une différence importante, notamment en termes de pistes d'intervention, etc. Donc en résumé, évidemment qu'il faut se sortir de ces oppositions qui n'ont pas de sens, hein, entre dangerosité psychiatrique et criminologique, de se sortir des oppositions entre les psychiatres et les psychologues, se sortir de ces oppositions entre clinique et instruments de mesure. Vous l'aurez compris, nous on est vraiment pour une perspective intégrative de cette évaluation. Encore une fois, le travail d'expertise, c'est la
collecte l'information, la collecte d'informations, le traitement de ces informations, plus on a des informations nombreuses et de qualité, meilleur sera le raisonnement qu'on peut avoir. Et je pense que c'est extrêmement important que l'expert soit au clair là-dessus et qu'il puisse rendre compte de cela de façon claire. Il en va de la crédibilité de la psychiatrie aussi, je pense. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le développement des algorithmes de gestion des données sont en train de prendre une dimension absolument phénoménale. Il y a une accélération de ces aspects-là. On s'en rend peu compte, mais enfin, on parle beaucoup des big data. Hein. Vous savez que maintenant, on a ces montres connectées qui permettent de transmettre à Apple énormément de choses sur sa propre santé. Hein. Et toutes ces données-là vont amener très probablement des modifications fondamentales de notre manière de penser la science. Il y a des corrélations entre des phénomènes qui apparaissent et qui sont une sorte de nouveau niveau de réalité, si on peut le dire comme ça, des corrélations qui sont sans aucune causalité ou causalité qu'on peut construire avec notre capacité de raisonnement, et qui font apparaître toutes sortes de choses nouvelles, et qui est vraiment simplement lié à la masse des données qu'on est désormais capable de pouvoir traiter, ce qui est absolument sans précédent dans l'histoire. Évidemment que la question de la prédictivité des choses, elle est complètement en lien avec cette capacité de pouvoir traiter ces données. Donc il est évident que la question, malgré tout, de l'évolution, la capacité d'évaluer les comportements humains va être extrêmement fortement impactée par ces dimensions-là. Je suis convaincu que si je reviens dans 30 ans, probablement que tout le monde va bien rigoler sur la façon qu'on avait de faire de la science au début de ce 21e siècle. Mais ça veut dire aussi que précisément, on devient de plus en plus des hyper spécialistes de nos domaines. En droit chez nous, on le voit aussi, on a des magistrats qui se spécialisent de plus en plus dans des domaines spécifiques du droit, etc. Et au fond, plus on se spécialise les uns les autres, plus il y a une nécessité, au fond, de transmission, de dialogue, hein, de faire comprendre, au fond, nos spécificités. Sinon, on est vraiment très à risque d'être dans ces logiques tubulaires qui sont extrêmement problématiques. Et les grands enjeux, je pense, pour demain, ça va être comment on intègre précisément ces données statistiques qui vont devenir de plus en plus prégnantes à la compréhension et l'analyse de cas singulières, mais précisément ces algorithmes vont aussi nous permettre de le faire progressivement. C'est à la fois tout à fait passionnant et fascinant. Je pense qu'on vit vraiment une époque de ce point de vue-là qui est absolument passionnant. Je pense qu'on est à un tournant vraiment de notre manière de penser le monde et de penser l'humain dans le monde. C'est totalement passionnant. C'est un tout petit peu vertigineux aussi. Mais enfin, je me réjouis de voir comment tout ça va continuer. Puis en attendant, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis je réponds volontiers à quelques questions.